Je peux y aller, hein? Bon, mais... Donc, c'est parti. How do they say it in the American... Rolling? No. Roll. Roll? Yeah. Roll. Rolling or roll, yeah. Roll! Ah, ça veut dire... Roule. L'usine, c'est le chemin. L'usine, c'est ta famille. C'est ta vie. C'est un temps. Le temps, celui auquel tu auras droit. Le droit de vivre et de travailler. Tu nais devant l'usine. Tu vis dans l'usine. Tu meurs derrière l'usine. L'usine. Mon père aurait dû peut-être crier plus fort, l'usine. Car aujourd'hui, on ne peut plus parler d'usine sans frémir. Car tous ont peur de parler à l'imparfait. Longwy, c'était Vauban. Longwy, c'était loin. Longwy, connaît pas. Aujourd'hui, Longwy, épicentre de la lutte, bien des techniciens de la politique s'efforcent d'éteindre, d'étouffer, d'anéantir le séisme. Il y a beaucoup de militants même qui ont tout laissé tomber pendant très longtemps, 20, 25 ans, 30 ans, parce que c'était trop dur. Je crois que c'était pour une autre raison, parce que c'était la défaite. Et... ils étaient tellement complètement dedans. C'est un peu comme des anciens combats de guerre, gagnés ou perdants dans la guerre. Mais la guerre, pour ceux qui le gèrent, c'est toujours perdant parce que la souffrance et tout ce qu'on garde dans la tête. Alors il y a des gens qui encaissent ça pendant des décennies, si pas pour toujours. Et je crois qu'il y a un peu de ça chez certains gens, mais à un moment donné, en vieillissant, on sent un peu la liberté de s'ouvrir à tout ça. Oui, mais la visite l'année dernière, déjà, Françoise et moi, tous les deux, on était très, très contents d'avoir trouvé et de voir qu'il y avait chez les jeunes engagés un intérêt de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Et ça nous a encouragés de venir. Enfin, on voulait venir de toute façon, mais on a même venu avec Michael pour faire filmer pour ma nièce. Et on ressentit même avant d'arriver que ça pourrait être quelque chose de plus important qu'on avait pensé au début, de trouver quelques anciens camarades et prendre un pot et visiter un petit peu et puis partir. Et puis de trouver Michel, Olny et Sylvain. Et des longues discussions et de voir qu'ils avaient toujours le mémoire de tout ça et qu'il y avait que c'était quelque chose d'important dans la mémoire de Bassin. C'était très émouvant et touchant. Le plus émouvant, dans un sens négatif, hein, c'était de voir l'ancien lieu de Senel avec le golf, c'était époustouflant. La combinaison de ça, le haut fourneau tourné sur le côté, apparemment exprès, parce qu'on m'a dit que dans une autre ville, il y a un genre de mémorial au sidérurgiste et le haut fourneau est bien fait, fier. Debout. Donc, ils ont dû prendre des grues et tout ça pour exprès faire comme ça,
que les gens disent, ben voilà, ta défaite. Et qu'ils enlèvent le crassier, essaient d'enlever toute trace de pas simplement la lutte de 78, mais de deux siècles et demi de ce qui définissait toute la région. C'était, même maintenant, j'ai du mal à, comme, enfin moins certainement que vous qui vivez ici, mais c'est comme là, on dit là, dans la gorge, là, chez nous, on dit le l'os de poulet qui reste coincé dans la gorge. Gauche. Et le bâtiment à gauche? Je sais pas. Non, c'est un HLM. HLM, mais on le voyait pas à l'époque de l'usine parce qu'il était caché derrière l'usine. Quoi. Ah, ouais. Donc maintenant il apparaît. Et quoi. Donc le tracé était. Était là, au-dessus. Là. Ici. Où c'est quel creux là? Là. Ça fait vide. Hein. Non, mais ça fait vide. Hein. Ah oui, ça fait chaud. Ça fait un vide. Ouais. Moi je suis pas venu depuis longtemps. C'est vrai que ça me surprend. Hein. Mais ça, là-haut, c'est le. Le relais, qui était occupé. Voilà. Donc ça, au moins, ça a resté. Bah oui, ça, ils en ont besoin. Les autorités le préservent, celui-là, oui. pour lancer leur propagande. Ils en ont besoin encore. On s'était opposé à la démolition. Oui. Pareil, on était une centaine. On s'était opposé quand ils ont voulu faire sauter le dynamiter au fond. Mais bon, on l'a retardé de 15 jours, et puis après, ils l'ont fait quand même. Il n'y avait plus de rapport de force. Mmh. Il y en a qui voulaient l'enlever. Voilà. Oui, parce qu'il y en a, ils veulent faire d'abord leur race complète, hein, c'est sûr. Bon, puis ils disent, hein, au fourneau couché, c'est pas comme s'il était resté debout. Nous, on voulait qu'il reste debout, quoi, c'est un autre symbole. Hein, et puis, bon, essayer d'en faire quelque chose autour. Ouais, il y avait des idées de faire un musée autour, bon, c'est des tas de projets comme ça, mais qui n'ont pas abouti, en fait. Donc des gens qui ont quand même, il faut des moyens financiers, ça coûte cher le golf. C'est pas d'aller sur un terrain de foot, on achète les chaussures, ça n'a rien à voir. Nous on avait, il y a eu des propositions de fait, de faire par exemple un petit plan d'eau avec toutes des activités, où là il y aurait eu tout le monde. Bon, ils auraient pu demander l'avis des jeunes. Voilà, ouais, faire des trucs pour les jeunes, pour un petit plan d'eau, enfin qu'il y ait quelque chose qui correspondent à toute la population, mais non. Bon, on s'est opposé, hein. Moi j'ai fait partie de l'association contre le golf, on a eu même 6000 signatures, mais le rapport de force n'a pas été suffisant pour inverser. Et puis une fois ils avaient pris les décisions, une fois qu'ils ont pris les décisions avec les communes, bon, ils ne sont pas revenus dessus. Hein. C'est pas très démocratique ça. Non, non. Allez, le golf, les golfeurs. Eh, c'était bien si pendant les luttes on aurait eu ça, hein? Regarde. Toi, tu vas te faire virer du golf. Je vais te faire virer du golf. Tu cherches les emmerdes, Michel. Hein?